Salut, salut, Salem, Salem. Ouais. J'espère que tu vas bien. Moi, très honnêtement, à ce moment de la vidéo, je suis un peu perdue. Je sais plus trop ce qu'il en est. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, en fait. J'ai besoin d'arrêter de me remettre en question depuis quelques semaines. J'ai besoin de faire le vide. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, book une petite chambre d'hôtel. Retrouve-toi avec toi-même le temps d'une soirée. Kadia, fais le vide autour de toi. Ne pense à rien. Pense à toi uniquement. Fais des choses que tu aimes. Fais des choses qui te font te sentir bien. Pense qu'à toi, vraiment. Concentre-toi sur toi et laisse tout le négatif qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, loin de toi. Vraiment, fais ça pour toi. Juste le temps d'une soirée, ne pense à rien. Arrête de trop penser tout le temps. Arrête d'essayer de tout comprendre, de tout remuer. Ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, ok, let's go. Pose-toi, chill un peu. Tu vas aller faire d'abord un truc que tu kiffes, que tu surkiffes. Et ça, tu le sais si tu me suis sur Insta, Snap et tout. Je suis allée manger. Je me suis fait un petit resto en tête à tête, seule. Je vais te laisser quelques images. Des fois, j'ai pas envie de trop parler parce que j'ai envie que tu captes un peu le mood de la soirée. J'étais dans un mood très apaisant. J'ai fait le vide. Je pensais à rien. Et ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Une fois que j'ai bien mangé, je me suis dit c'est parti, tu peux rentrer dans ta petite bulle, dans ton petit monde, parce que c'est tout ce que tu cherches. Donc j'ai décidé de prendre une douche et un bain vraiment dans une ambiance apaisante et relaxante. Donc j'ai fait une petite playlist pleine de sons assez doux et tout. Et je me suis dit là, ça va être ton moment. Bien évidemment, j'ai amené ma bougie préférée. La senteur de cette bougie, c'est une tuerie. Vraiment, je l'aime énormément. Et là, je vais passer à tout ce qui est démaquillage, etc. Donc, cette vidéo, c'est pas une vidéo routine. Donc, je vais pas prendre le temps de te parler de tous les produits, d'en faire une revue, de les recommander et tout. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la plupart des produits, c'est des produits que j'utilise au quotidien. Mais il y a aussi des produits que j'ai pris parce que j'avais envie de me retrouver dans une ambiance avec des produits qui sentent bon. Là, c'était le moment de les tester. Donc, je me suis dit, let's go, tu vois. Après, bien évidemment, je reste une youtubeuse beauté. Du coup, si tu me dis en commentaire que tu veux une routine réelle et détaillée avec plein de bons conseils, plein de bons tips pour te démaquiller ou plein de produits pour prendre une douche et avoir une odeur corporelle vraiment clean et tout, je le ferai avec plaisir. Donc, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Vraiment, le combo de ce gel douche et du gommage après, c'est incroyable. Ça sent mais tellement, 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 tellement bon. Je vous recommande vraiment ça. Et quand vous avez envie de vous détendre et tout, personnellement, moi, les bonnes odeurs, ça me fait archi du bien. Du coup, je vous recommande des produits qui sont vraiment bons, dont vous aimez vraiment l'odeur pour vous retrouver un peu avec vous-même. Ça fait énormément de bien. J'ai décidé de me faire couler un bain, ça m'a fait énormément de bien parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Et pendant ce bain, je me suis laissé le droit de penser uniquement à mes qualités, aux choses qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a fait trop du bien. Yeah.
Une fois que j'ai terminé ma skincare routine, je suis partie me changer. J'ai enfilé un joli pyjama, moi, dans lequel je me sens super bien. Vraiment, je suis super confortable et à l'aise dedans. Et je trouve qu'il a un joli effet. Je trouve qu'il fait très femme et tout. Du coup, ça change un peu des pyjamas que je mets habituellement. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de me sentir belle. Demain matin, quand je me réveille, j'ai envie de voir un changement sur mon visage. Donc, j'ai utilisé ces petits patchs pour les yeux qui sont des patchs défatigants et ils marchent vraiment bien. Qu'est-ce que serait une soirée avec moi-même sans nourriture? C'est très important, la petite kitchenette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de trucs. Vraiment, c'est de la malbouffe. J'ai pris des marshmallows, des pop-corn, des chips, des pistaches. Et j'ai décidé de me préparer un petit truc tranquillou. J'ai aussi préparé un bon chocolat chaud. Franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai dû en boire trois des tasses. Il faut savoir qu'il était aux alentours de 3 h du matin. J'ai vraiment duré dans le bain. J'ai vraiment. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. C'est vraiment. J'aime trop. Là, je me revois en fait toute la soirée parce que là, je vais la voir après. Ça m'a fait tellement de bien. Donc voilà, un bon petit chocolat chaud avec beaucoup de crème chantilly, s'il vous plaît. Bon, assez traîné sur les réseaux, je voulais passer un peu à de la lecture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de livres remplis de mots apaisants, de mots réconfortants comme Les Miel. Bon, je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Si tu le connais pas, je te conseille de l'acheter. Il est rempli de poésie qui sont super faciles à lire. J'ai aussi ce livre qui, je pense, est l'un de mes livres préférés. C'est pour moi un véritable bagage dans la vie. Il est incroyable, je vous le recommande. Je savais que j'allais pas le lire hein, parce qu'il est gros et que je l'ai déjà lu plusieurs fois et que même il faut faire des exercices et tout, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que je vous le recommande sincèrement. J'ai plutôt décidé de relire ce livre qui m'a été offert par une amie qui dit « Considère ce petit livre comme étant la voix d'un cher ami qui ne t'a jamais vu mais qui te veut un bien immense et qui n'acceptera jamais que tu cèdes au moindre obstacle ou à la moindre épreuve. Prends soin de toi et qu'Allah te préserve. » Je pense que ces petits mots vous expliquent pourquoi j'ai décidé de le lire au vu de ma situation. C'était vraiment parfait. Il est plein de mots réconfortants, touchants, plein de motivation, plein de bienveillance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le relire et de le te présenter aussi. Voilà comment j'ai décidé de terminer ma soirée. Très honnêtement, cette soirée m'a fait un bien fou. Et je pensais même pas que juste le fait de me dire retrouve-toi avec toi-même, ne pense à rien, fais le vide autour de toi, ça me ferait autant de bien. Franchement, la santé mentale, c'est archi important. Et je pense qu'il est important pour toute personne de se retrouver de temps en temps, de temps à autre, seul avec soi-même, pour se reconnaître, se redécouvrir, prendre le temps de bien s'apprécier à sa juste valeur et compagnie. Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande de faire à la fréquence que vous souhaitez. Moi, honnêtement, j'hésiterai pas. Pardon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous a apaisé, si vous avez aimé. Quoi qu'il arrive, que vous ayez aimé pas, donc que je le fasse sur YouTube ou pas, il est évident pour moi que je vais plus prendre soin de moi comme ça. Et toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu prends soin de toi. Je vais te laisser en te faisant de gros 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 bisous. Mouah.